Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis à Octogone avec Fabrice qui va nous Bonsoir. présenter Kaeris, puisque Oxycat Games c'est bien Ouais, ça. exactement. Voilà, on le Là, voit. ça a tombé un peu, là, il est fatigué comme moi ce soir. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi ça consiste le Kaeris? Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le but? Je t'écoute. Dans un univers de médiéval fantastique, Ouais. dans un jeu d'escarmouche sur 24 pouces de terrain. Ouais. On est sur une bande de 5 joueurs. Là, je t'ai mis 4 joueurs. 5 joueurs, 5 joueurs. Ouais. Le but du jeu, bon, bien sûr, c'est de faire des points par rapport à des missions. Les missions sont souvent des missions de combat ou d'objectifs. D'accord. Les petites originalités du jeu, c'est un tour, c'est une main d'action. Ouais. Donc, une 4 actions, par exemple 3. Ça Okay. me permet, quand je vais jouer, d'avoir un pool d'actions. De pouvoir après utiliser ces actions pour jouer les personnages. Par exemple, je vais utiliser un déplacement. Je vais dépenser une action. D'accord. Je vais le mettre sur le personnage une fatigue. Et je vais pouvoir déplacer le personnage avec la réglette. Donc là, je pose la réglette au contact du socle et je peux avancer le personnage comme ceci. D'accord. Pas besoin de mesurer en fait à Kaeris. Oui. Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres possibilités, hein, bien sûr, de charger, taper les personnages, il y a tous les rudiments d'un jeu de figurines. Donc là, on a par exemple sur le plateau, on est d'accord, on a deux équipes, c'est ça? C'est ça. Donc là, tu as le royaume d'Argo, ouais. qui représente en fait les truands, les personnages des bas-fonds, des mendiants, des co-mendiants. D'accord. Ils sont là pour renverser le pouvoir en place. D'accord. Et en face, tu as une rouge, qui est la milice, qui est là pour vérifier le couvre-feu. Quelque chose et derrière aussi de s'assurer que tout va bien. Voilà pour faire régner l'ordre. D'accord, vous voyez des très belles figurines bien peintes aussi, il faut le reconnaître. Voilà. Ce n'est pas peinture démo, hein. Les plus belles, tu les verras tout à l'heure. Voilà, mais très, très sympa. Alors donc, et puis après, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu les profils des figurines pour voir un petit peu de quoi il retourne? On était sur par exemple le personnage éthéré. C'est un géant, on appelle ça chez nous un changelin. Donc par exemple, pour donner un peu les caractéristiques, donc ici c'est la possibilité de mettre des fatigues. Tu as vu une action génère une fatigue sur le personnage, lui peut en gérer deux au maximum. D'accord. C'est un gros tapeur mais qui fatigue. D'accord. C'est une grosse masse à se déplacer, donc forcément il est rapidement. La défense, l'esquive, c'est la capacité après de pouvoir annuler des réussites à ton adversaire. D'accord. Ensuite, tu as deux lignes de vie, tu le remarques ici, tu as une ligne vigilant et une ligne de vie en danger. Quand tu es au tout début du jeu, tu commences en état vigilant et tu utilises les caractéristiques qui sont en jaune ici. D'accord. Et quand tu es en danger, tu utilises les caractéristiques qui sont en rouge. D'accord. Donc, la plupart de l'argot, c'est souvent du combat qui est plus fort en rouge, pas en danger. Après, chaque carte de personnage a des capacités spécifiques, en plus des capacités génériques, qui ne sont pas dans toutes les figues. Par exemple, lui, quand il est en danger, il a une capacité qui s'appelle Sauvage, il peut faire une attaque gratuite. Ok. Chaque personnage est vraiment typé avec des capacités spécifiques et propres au personnage. Ok. Et là, alors chaque faction, il y a à peu près combien de figurines disponibles à date? On est sur donc, le jeu a depuis un an progressé sur sa gamme. Ouais. On a 4 guides qui ont été créés l'année dernière, qui avaient chacun 5 figurines pour le starter. D'accord. Elles ont évolué dans le temps avec 2 autres profils supplémentaires. Donc chaque guide a 7 figurines possibles. Ouais. Comme il n'y a pas de valeur en points, on peut changer un personnage par un autre. D'accord. Et à l'Octogone, on a sorti une nouvelle guide, le syndicat du Carré d'Or. À ce jour, pour l'instant, on n'a que 5 figurines de start-up. D'accord. Ok. Donc les sorties sont plutôt entre 2 mois, 2 mois et demi. Et la prochaine fois, on essaie de sortir 3 figurines. Actuellement, c'est 2. Justement, que le syndicat soit toujours aussi renouvelé. Pour trouver des infos sur le jeu, on peut aller sur le site Oxycat Games. OxycatGames.com. Voilà, il y a Oxycat comme Occitanie, donc ouais. O2C, 4 comme chat. Ok. Vous avez aussi un Facebook? Un Facebook, on a un Discord. Un Discord, oui. Donc directement sur Oxycat.com, tout en bas, vous avez les liens directement. Le Discord, il y a une bonne communauté. Vous rentrez directement en Discord, vous serez
largement bien accueilli. Très bien. Bon bah écoute, merci pour l'explication rapide du jeu. On n'est pas rentré dans le détail bien sûr. Mais c'est histoire de vous présenter donc Kairis. Et puis, je mettrai en lien les différents liens du Facebook, le site internet pour aller voir tout ça si vous voulez avoir plus d'infos. Et puis bien sûr le Discord pour les questions qu'il y aurait éventuellement à poser. Voilà, ben merci à toi de m'avoir reçu, d'avoir accepté cette petite interview. Donc voilà. On est à Octogone, donc avec les conditions du direct, les conditions, le volet de sonneur, voilà. Donc j'espère que ce sera suffisamment audible pour tout le monde. Et puis encore merci. À bientôt. Et puis amusez-vous bien. Au revoir.